gloire à Dieu. Alléluia, papa. Vraiment, je peux vous arracher quelques mots? Oui, à part de... Quelles sont vos impressions par rapport à cette activité qui vient d'être menée? Vous êtes le responsable médical, vous êtes parmi les responsables médicaux et tout ça. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ouais. Et vraiment, si ça pouvait continuer dans ce genre de rencontres, ça allait nous faire bonne chose. Aujourd'hui, personnellement, il y a trois cas qui ont été sauvés. Trois cas. Trois grands cas qui ont été sauvés. On a eu une hypertension à 24 jours. On a eu un magnitude de dernier degré. Une surdité. Vraiment, si cette action pouvait être pérennisée, ça allait rendre beaucoup service à la population, surtout à la population chrétienne. C'est vrai, Dieu, lui, il guérit spirituellement. Mais il y a le physique aussi qui est malade. Ouais. Il faut la mettre pour compléter le travail de Dieu. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une très bonne initiative. Et je voudrais que cela continue. La joie de tous nos frères et sœurs en France. Voilà. Nous sommes les plus heureux. Et pour pérenniser, comme tu l'as dit, comment faire pour pouvoir pérenniser cette action? Bon, pour pouvoir pérenniser, il y a une chose. Ouais. C'est vrai, on a commencé aujourd'hui, mais on devrait au minimum demander aux gens de faire une petite participation. Allait nous permettre de pérenniser l'action. Parce qu'on est venu aujourd'hui. Ouais. On a été aidé par la Fondation Emmanuel. Ouais. Et demain, quand bien même la Fondation aura envie de nous aider et que les moyens sont limités, si on a un peu, on peut leur venir en aide pour qu'on ait plus de médicaments. Parce qu'actuellement, on a fini avec la population. On va aller avec les hommes de Dieu. Et peut-être que ça ne pourra pas suffire. Donc, si on peut demander une participation négligeable à la population qu'on traite, ça pourrait nous permettre de pérenniser l'action. Ok. Alors, merci beaucoup. Docteur, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, ça n'a pas été facile, nous l'avons constaté. Mais vous avez déboursé beaucoup d'énergie pour pouvoir mener, puisque c'était improvisé. C'était pas organisé avant, c'était improvisé. Vous êtes sorti de cette situation. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous dis merci et surtout à la Fondation Emmanuel. On remercie le Seigneur.